Eh bien, bonjour à tous les amis, super contente de vous retrouver. Nous sommes mi-mars en janvier. Nous avons récupéré les greffons sur le haut des arbres. Les voici, regardez. Il y a du prunier ainsi que du cerisier. Ce sont les branches tout en haut des arbres, autrement dit les brindilles de l'année, hein. Alors, les greffons sur le haut des arbres, ce sont les brindilles. Nous avons placé ceci dans un pot avec de la terre comme ça droit, placé au nord et au soleil. Donc ce week-end, nous allons greffer, nous allons faire la greffe enfant. C'est pourquoi ce week-end, vous allez vous munir d'un bon couteau, de raffia, ainsi que de mastic à greffer. Mastic à greffer et aussi d'élastique, vous voyez de très très grosses élastiques. Hein. Nous allons donc faire la greffe en fente. Alors, quel est le but de greffer hein? Le but de greffer, vous voyez ces drageons, autrement dit ces branches ici, ce sont des racines qui ont fait des ramifications dans la terre, dans le sol. Hein, vous voyez ces ramifications? Et donc, c'est du cerisier qui est sauvage, qui va nous donner de très très petites cerises. Hein. Celui-ci, en réalité, nous fait des très bonnes cerises à eau de vie. C'est pour ça que je vais certainement en laisser quelques-uns. Voilà, mais par contre, vous voyez, il y a des très gros arbres là, qui seront vraiment très intéressants. Hein, d'une taille de 1,20 m, 1,30 m là, hein, qui seront vraiment formidables pour greffer. Celui-ci, vous voyez, il est pas mal aussi. Un diamètre, on va dire, quasiment ici, nous avons 1 cm. On est à 50 cm du sol. Hein. Et on en a comme ça plein. Hein. Hein, vous voyez, ces petits là. On peut en greffer pas mal. Donc on va faire la greffe enfante. Et alors l'objectif. Vous voyez, là j'ai fait des greffes qui sont quand même beaucoup plus hautes ici. Là, vous voyez, la greffe a été faite ici. C'est là que vous avez le bourrelet, hein, avec les petits greffons. Autrement dit, ce sont des tiges comme ça que nous allons enfoncer dans l'écorce. Et vous avez la représentation ici des anciens bourgeons qui se sont transformés, bien sûr, en branches. Là, vous avez aussi la même chose, mais là, c'est quand même un petit peu plus vieux, hein. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que les greffons, alors les greffons que nous prélevons en janvier, ce sont ces fameuses branches là en janvier. Et pourquoi on dit en janvier? En janvier parce qu'il faut que ça soit en repos végétatif. Voilà, il faut que le greffon, cette brindille doit être en repos végétatif. Donc j'espère que vous avez bien compris. On va pouvoir attaquer ça. Ce week-end, on va faire quelques greffes et en espérant avoir un petit peu de réussite. Hein. Je suis pas un as, j'ai réussi quelques-unes en faisant pas mal. On multiplie bien sûr les chances. Hein. Voilà, et en se concentrant. Donc je vous rappelle, un couteau, du mastic à greffer, il nous faut du raffia ainsi que des grosses élastiques et bien sûr nos fameux greffons. Alors, voilà, je vous l'ai fait voir de plus près nos fameux greffons. Voilà, hein, ce sont des tiges de l'année dernière. Hein. Autrement dit, ce sont les branches du haut. Voilà. À bientôt, les amis. Je vous dis plein de bonnes choses pour vous. Bon courage. Et puis, on va attaquer ça. Ce week-end.